Le comité cinématographique national de Bradouchka présente Les brèves de Brad. Aujourd'hui, de l'utilité d'être un bon candidat à la présidence de la France. Salut, aujourd'hui on va parler politique. Bah faites pas la gueule, je vais vous donner la recette pour être un bon candidat à la présidence de la République de la France. Alors tout d'abord, pour être un bon candidat, il faut être plutôt beau gosse. Voilà, comme ça. Il faut avoir un nom dont tout le monde se souvient. Je sais pas moi, Jean-Patrick Ronchon. C'est bien ça, Jean-Patrick Ronchon. Secondo, il va falloir vous trouver un slogan. Je sais pas, comme la France morte, le changement c'est navrant, prenez le pourboire. Tout ça c'est des slogans. J'ai peut-être trouvé le slogan qui vous convient. La France, pour que ce soit moins pire que c'était mieux avant. C'est classe, non? 3. Vérifier que ce slogan fonctionne. Parce qu'on a déjà essayé avec d'autres. Le changement, c'est maintenant. Le changement, c'est maintenant. Alors, pour que le produit soit efficace, veuillez tenir vos mains parallèlement l'une de l'autre en faisant des mouvements circulaires de gauche à droite. Le changement, c'est maintenant. Maintenant, il va falloir trouver des militants. C'est important, les militants. Parce que dans vos meetings, peu importe ce que vous direz... Oui, madame, je suis pour la liberté. La guerre, c'est pas beau. Oui, vous le savez comme moi. Dans votre quotidien du jour le jour, les prix trop chers sont beaucoup plus élevés. Blablabli, blablabla. Filez-moi 50 euros. C'est con, un militant. 5. Trouvez des sujets de campagne où vous êtes précurseur. Oui, je suis pour le mariage homosexuel. Mais attention, seulement 2 par couple. Et j'ai envie aussi de leur donner le droit à l'avortement. 6. Pensez à faire tous les médias possibles et imaginables pour vous plaindre d'être invité nulle part. Bon, excusez-moi, Madame Ferrari, mais je pense que nous ne sommes pas invités à la même fréquence que les autres, sur les plateaux télé, notamment. Écoutez, Monsieur Pujada, merci de m'avoir invité, car comme vous le savez, nous ne sommes pas invités sur tous les plateaux. C'est scandalisant. C'est parfaitement scandalisant. Monsieur Jean-Michel Apathy, qui est présent ici, peut en témoigner. Nous ne sommes pas invités partout. Hein? Pourquoi? On pue du cul? Bon, écoutez, ici, c'est la radio. On est beaucoup moins invités qu'à la télé. La campagne avance et vous êtes à court d'idées? Pensez à fouiller les poubelles de l'actualité, histoire de voir s'il n'y a pas quelque chose à récupérer. Le terrorisme est partout. La France a peur. Ouais, tu peux me dire à combien on est dans les sondages, là, s'il te plaît? Ouais, Jean-Pat, on est à 10%. Alors, si tu pouvais en remettre une couche, je sais pas, moi, vendeur du clandestin, de l'immigré, de l'insécurité, ce que tu veux, mais fais-toi plaisir. Hein. Des bateaux remplis de terroristes débarquent chaque jour sur nos plages. Il est venu le temps où il faut participer à des débats incompréhensibles qui ennuient tout le monde. Tous les spécialistes se sont succédés pour vous dire que la viande à l'ail, ça fait mal à l'estomac, ça crée des ulcères à l'estomac. Oui, madame, tout ça, vous ne voulez pas l'entendre, car vous êtes pour les grosses industries agroalimentaires. Voilà le problème. Juste un petit détail à régler, obtenir 500 signatures pour pouvoir vous présenter. C'est qui? Bah, on a encore reçu une signature de maire... Mon lapin, je te souhaite du courage pour la campagne. Tata Raymond et tonton René te suivent tous les jours. Plein de bisous, maman. C'est bien la signature de mère. Attention, cette blague a reçu le prix du meilleur espoir 2012 au Festival de Vannes, présidé par Laurent Ruquier. Et enfin, pensez à voter pour vous. Ça évitera la bulle. Enfin, comme d'habitude, on se retrouve sur le www.bradouchka.com, sur Facebook, sur Twitter... Enfin, toutes ces conneries-là, quoi, tu vois ce que je veux dire. Allez, bisous. Hein. Les risques du métier, quoi.